Eh bien salut tout le monde, c'est Delcaï, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Far Cry Primal. Et apparemment on peut débloquer une nouvelle compétence. Compétence, attendez, on va faire un petit tour là-dessus. Exécution primitive, appris. Approchez-vous d'un ennemi par derrière ou en étant à couvert. Appuyez sur R3 pour une exécution rapide et silencieuse orientée L pour traîner un corps à l'abri des regards. Ça, on l'a appris. Vision de chasseur, donc R3, on connaît. Ça dure 8 secondes, c'est bon à savoir. Vaut pour votre chouette. Ok. J'ai pas de chouette, mais bon, c'est pas grave. Mon spoil. Discrétion primitive. Appuyez sur flèche du bas pour lancer un caillou par terre et détourner l'attention des ennemis. Maintenez R3 pour déplacer un cadavre hors de vue. Alors ici, on peut apprendre soin primitif. Maintenez triangle pour récupérer une barre de santé. Ou alors, maintenez triangle pour soigner tout en sprintant. Ouais, non, c'est un peu un truc de ouf. Gagnez une barre de santé, vous pouvez en avoir jusque 6 au total. Alors, on va peut-être déjà commencer à apprendre à se soigner. Hein. Et après, on ira rajouter une barre de vie. Donc, rappelez-vous, on est avec... Bonjour. Trouvez feuille verte. Alors, on va trouver feuille verte pour Sayla. M'a dit près de la rivière. Donc, oula. Attends, on va essayer de jeter un caillou. Ouais, ça marche. Ah, c'était quoi la compétence, là? Exécution rapide. Ah non, j'ai mis la vue. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est une liane. Bon, j'ai sauté. Ah, la rivière, elle est par où? Elle est là-bas. On va y aller. Tiens, on va changer d'arme. On va prendre l'arc au cas où. Et la profondeur de vision là. Ah, il y a de la neige là-bas. C'est Val Thorens, si jamais, parce qu'on est en centrale Europe. Hein. L'Europe centrale. Val Thorens, il a dit. Alors, j'ai un peu la gorge défoncée, mais c'est pas grave, hein, c'est souvent. Ouais, elle est où ta forêt là? Ta rivière plutôt. Eh, il y a des bruits vraiment chelous. Hein. Vraiment se méfier. Hein. Tiens, on va ressortir le gourdin, peut-être que ça va nous servir. J'entends, il y a un truc pas loin de moi là. On dirait qu'il y a des gars qui se battent, non? T'entends? Eh, c'est un chaman qui fait du vaudou, ça, non? Là, on va essayer d'y aller tranquillement, les gars. On va pas se presser. Mais il fait quoi, lui? Eh, il tabasse un gars! Exécution! Oh, je l'ai défoncé! Eh, y'a plus de tête! Y'a quoi, lui, sur lui? Que dalle. Et toi, t'as quoi? T'es placé. Tiens, on peut déplacer. Ah ouais, d'accord, on le porte, carrément! Ah ouais, par contre, on peut plus courir. Non, merde, je voulais le relâcher à la base. C'est quoi ça? Ah bah, feuille verte! Voilà. C'est quoi ça? Feuille verte aussi? Merde! Merde! Wouh, putain, un coup de gourdin, il est mort. C'est un chacal. Peau d'ol. Peau de bête. D'ol. Retenez bien le nom, d'ol. J'ai vu, il y avait... En fait, moi, j'ai sauté dans l'eau, sachant que dans Far Cry, il y a toujours des bêtes cheloues dans l'eau. Est-ce qu'il y en a ici? Même les oiseaux sont contre moi, mon gars. Des tortues! Ah, ils ont flippé. Oh, putain, des tortues! OMG, bonjour!
elles sont super bien faites. C'est toi qui fais le bruit là? Bon écoute, vas-y, fais ta vie tranquille, mène ta life, fais comme si tu m'avais jamais croisé, on est d'accord? Moi je cherche des... Peut-être on va se cacher, peut-être ils vont remarcher. Hé, ils ont sorti leur tête. Vas-y, on va s'approcher tranquillement, tout doucement. Ils font leur life, hein. Jusque-là, ils m'ont pas vu, donc tout va bien. Bonjour. Lui a flippé. Et son poteau. Elles s'en battent les couilles, les tortues. Hein. Bref, ouais, il faut collecter des herbes vertes. Il y a un truc bleu là-bas. On a pied, on a pied. Vas-y, on prend, on sait jamais. Bah, feuille bleue. Eh, des chasseurs là-bas. C'est-à-dire, on va street fight, ça. Et sérieux, là, comment il gueule? Mais où ton pote? Vous étiez deux. Ici, ici, mec. Vous étiez deux. Ah, y a plus de place dans le sac, là. Vas-y, je reprends ma flèche. Je viens. Putain, mais sur ma vie. Vas-y, je prends l'herbe, déjà. Voilà. Je récupère ma flèche, parce que... Graisse animale. Putain, ils se free fight entre eux, c'est horrible quoi. En même temps, c'est la préhistoire. Hein. Si jamais. Vas-y, on va prendre trop. On en a jamais trop. Vas-y, on va aller apporter les feuilles vertes à. Bah, arrêtez de flipper, les gars. Pourquoi vous me mettez sous pression comme ça? Vas-y, des roseaux. Vas-y, les roseaux, on prend. On aime ça. Ici, il y a des totems, ma gueule. Galet de Wakwas. C'est pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un endroit bueno, quoi. Oh merde! Peut-être j'ai détruit une sépulture, ça fait des siècles qu'elle est là, il y a peut-être un gars, il est enterré en dessous. Ah non, je vais arrêter de faire mes conneries, moi. Ah merde! Vite, 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 dans l'eau. Il n'y a pas de bête chelou dans l'eau. Ça m'étonne. En tout cas, il y a des bêtes cheloues dans... Mais la chèvre, elle est débile aussi. Tel coup de gourdin, il n'a pas marché. Merde. Non, c'était plus vers là-haut de où j'étais venu, non? T'es sans pression quand même. Mais le temps, je sais pas s'il est changeant. Là, ça pourrait être pas mal, ça, quand on ait des périodes de pluie ou des trucs comme ça. Ah, je me... Oh, fuck! Mais arrêtez! Se soigner. You, votre copain. Putain, ils sont sérieux, ils m'ont mis mal. Peau de bête, moi je prends. Déjà, je reprends ma flèche parce que t'as cru que c'était gratuit. Feuilles rouges. Les mecs, ils avaient juste des feuilles rouges. Ah, puis j'ai plus de place.
Alors, on va aller voir l'autre là, on va essayer de nous donner une petite besace en plus ou un truc comme ça, non? Parce qu'à un moment donné, je peux pas tout porter sur moi. Hein. En plus, on est en vue FPS, on sait même pas à quoi on ressemble. Bah, si, rapido, mais. C'était par là. Ouais, il y a des gros chelous par ici, mon gars. Je suis sûr, on va devoir aller visiter ce merdier. Et ça va être la hesse, ça va être la grosse merde. Bon, t'es où? T'es toujours vivant, t'es pas en PLS, ça. Checkpoint! Ça est là. Shaja, Tani Chlauta. Who is that? Tani. Ah, c'est Crado. Lubu. Walna Maiska. Mais de rien. Udam. Salwa tija. Uanna. Winja waida. Tuhai padas shwa. Ouais, grave blessure terminée, les potes. Alors, oula, qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire là? Emparez-vous de ce bûcher. Difficulté facile, récompense XP faible, population particularité faible, population. Population, ouais. Particularité, déplacement rapide, point de réapparition, cache. On va marquer. Voilà, est-ce que c'est marqué? Non? Est-ce que c'est marqué? Ok, quand c'est marqué, c'est qu'il y a un bail au-dessus. Ok, on va aller dans confection, parce qu'apparemment, on peut se confectionner quelque chose. Un sagay. Segay. Segay. Sagay. Segay. Rien à voir. Vas-y, on se confectionne ça, mon gars. Là, on peut faire quoi? Amélioration, on peut pas. Il nous faut de la grotte de Takar. Niveau 1. C'est quoi grotte de Takar? C'est quoi? C'est la night ou... Nouvelle formule de soins disponible. Appuyez pour ouvrir. Ah d'accord. Alors ça c'était viand, soins primitifs, une barre de santé, compétences, hein. Ça c'est quoi, 2 barres, 3 barres, et il faut de la viande et des feuilles vertes, bah écoutez on va mettre ça. Camouflage olfactif, tout ça c'est verrouillé, là ça aurait guérison 3 barres, vaut mieux non? Bon, on a que 2 barres mais c'est pas grave, et c'est quoi tout ça? Appuie sur... Allez, des nouvelles améliorations. Qu'est-ce que c'est? Ah, il nous faut de la peau de hall. Mais j'en avais de la peau de hall tout à l'heure. Peau de sanglier. Puis sous de ma gueule ou quoi? 0 sur 4, ils m'ont dit. C'est quoi, ça? Waouh, 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 je me brûle. Cache de récompense. Cache de récompense. La cache de récompense, c'est un endroit où les ressources et les objets sont stockés. Cherchez l'icône sur la carte. Vous pouvez accéder à la cache de récompense depuis le village et depuis n'importe quel avant-poste, bûcher ou feu de camp conquis.
Les objets sont directement placés ici, à la prise d'un avant-poste et quand votre population augmente. Ça et là, l'accueilleuse ajoutera de nouveaux objets tous les jours une fois sa hutte construite. Ah, il faut construire sa hutte, quoi. Et même des objets rares avec l'amélioration 2. Revenez-y régulièrement et prenez les objets dont vous avez besoin. Pas mal, pas mal, pas mal. J'avais pas de la peau de Hall là ou je sais pas quoi. Ouais, c'est bien, on avait rien, non, que dalle. Merde, 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 le feu, ça brûle. Mais j'ai débloqué des nouvelles compétences. Où ça? Ah, mais se fout de moi aussi. Un point de compère, je peux rien lui mettre. C'est quoi cette grotte? Regardez, moi je visite, hein, je visite parce que c'est un peu notre dolmen, là où les rois sont le soleil, tu vois. Lieu important, 0 sur 10. Et pourquoi dès que je m'approche de là, il y a écrit lieu important? Voilà. Après c'est tout, il y a que ça, c'est notre grotte quoi. Ça c'est notre chez nous. On est chez nous. Et ça, c'est comme ça. Ok, progression, voyage terminé. Ah ouais, là c'est un peu la base quoi, c'est un peu la Batcave de Batman quoi, en gros. D'après la compréhension que j'en ai. Bon. Que dois-je faire? Ah ouais, j'étais... Wow! Bah écoute, Smart Takar toi-même. Mais c'est pas grave, on va y aller à Smart Takar. Je sais pas où c'est. On y va avec notre gourdin, tout ça. Tu vois, y'a personne qui nous dit où on doit aller. On y... voilà. Ah, 560 mètres à Yep. Ah ouais, parce qu'il y a pas de moto, hein. Si jamais y a pas de quad, faut pas croire qu'on va faire du BMX... On va pas faire des vroom vroom en roue arrière sur ta madre, hein. Ça n'a rien à voir. Là, il y a un sac. Qui dit sac, dit objet, non? Qui dit sac, dit aussi problème. Il y a des bruits chelous, les potes. Hein. Je vous dis ça. Il est où, le sac? Il est censé être là. Soit je suis aveugle, soit je suis aveugle, tu vois. C'est pas ça. Vas-y, on va mettre la vue de lynx, là. Ça a l'air d'être une entrée, là. Ah, d'accord. Peau de loup, au calme, peau de singe. Ah, il y a des singes aussi. Bien, wesh, tout ça. Alors, là, faut pas croire, il y aura pas de dinosaures. Hein. Faut pas confondre... L'âge de pierre et les autres années. Hein. Ah non, parce que j'en ai vu qui disait qu'il pouvait y avoir des dinosaures, des trucs chelous. Mais non. Les gars, c'est pas possible. Allez, on prend du roseau. Encore du roseau. Là-bas, il y a encore une cache. C'est quoi ça là-haut là? Il faudrait qu'une arc, ça, c'est quoi? Non, une arc. Je sais même plus. Elle est où mon arc? What the fuck? Pourquoi je peux pas? Ah, j'ai pas de... C'était la jungle avant, hein? Bien, wesh. C'est bon. On va récupérer notre sagaï. De la viande. Voilà. Il n'y a plus de sac dans le sac. Il n'y a plus de place dans le sac. Votre... Hein? Bois dur. C'est mon bois dur, ça. C'est mon bois dur. Toujours là, dans les meilleurs... Dans les mauvais coups et tout. C'est mon bois dur. C'est quoi, ça, accroché à la paroi? Ah, c'est une chèvre! Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est morte! Rip. Rip la chèvre. Par contre, attends, si ta poteau elle est morte, il y a un problème. Des feuilles rouges. C'est feuilles rouges, ça, non? Ah ouais, tu vois. C'est ce que tout à l'heure le mec avait dans son pantalon, là. On sait pas trop où il a été traîné, mais voilà, quoi. Par contre, on peut pas augmenter notre besace, un truc comme ça, quoi. C'est quoi, attendez, on va regarder, là. C'est quoi, ça? Appât, bombe piquante, compétence. On peut pas améliorer notre besace. Si, c'est là. Amélioration du sac. Bah, ouais. Niveau 1, hutte de Woga.
Il y a un truc rouge là qui me fonce dessus. C'est quoi? C'est un aigle. Par contre, écoutez les pas à gauche. Il y a un aigle. Je crois qu'il me cherche des problèmes. Ah non, mais dans les Far Cry, c'est ça. T'as des oiseaux, tu sais pas trop. Ils viennent et ils s'en battent les couilles, t'attaquent. Je crois qu'il veut m'attaquer. Oh, ils m'ont fait flipper. Il est là, l'aigle. On a vu son nom. Mais il finira par m'attaquer. Son but ultime, c'est ça dans la vie. C'est quoi ça? Feuille verte. Oh putain. J'avais pas vu que c'était profond, les gars. Moi, je suis là. Je croyais que j'avais pied et j'avais pas pied. Il n'y a pas de crocodile de l'ancien temps, là? Calmez-vous. Et pourquoi j'ai plus de arc? Attendez, je vais me refabriquer des sagaies. Pourquoi j'ai pas mon arc? Ah, il me manque de cèdres du nord. Et en plus, je suis un gars du nord à la base. Putain, mais je vais te dégommer! Aïe, un facochien. Il s'est barré parce qu'il a eu peur ou il s'est barré parce qu'il a eu mal? Hey, des mammouths! Il est là le truc, non? Putain, mais calmez-vous, putain! Pourquoi ils sont là, sur ma gueule? Vous faites chier, sérieux. Moi, je suis là, je suis tranquille, je suis en train d'essayer de chercher des trucs. Il n'y a plus de place dans l'inventaire, en plus. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Bon, il me fallait du bois, là. Du bois, du bois, du bois, du bois. Du bois dur. Du bois sûr, mon bois dur. Allez. Il me fallait ça. Voilà, comme ça, on va fabriquer des trucs, là. Putain, on est tranquille pour rien du tout ici dans ce pays. J'arrive. Attends, je fabrique 2-3 bails là, vite fait. C'est ça qu'il me faut. Mais non, cèdre du Nord, mais j'ai pas de cèdre du Nord. Qu'est-ce qui me casse les couilles? Bon, c'est pas grave, on va y aller avec le gourdin. On est des ouf. Tant pis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bois d'aulne. C'est des méchants, ça. Bah, réveille-toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ça me couille toi-même. Quoi? Peut-être qu'elle veut que je la porte, je sais pas, moi. J'ai vu population plus 1, mais c'est quoi ça? Ah, c'était pas ça en fait la mission. Aller au-dessus. C'est pas du bois de... Ah si, c'est du holm, mais bon, ça ne sert à rien. Apparemment, on peut grimper ici. Apparemment, hein. On verra bien. C'est un peu la merde, hein. Vas-y, on prend un bois d'aulne. Regarde. T'as 120 mètres encore? Il se déplace ou ça marche comment ton truc là? Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien, tu vois, mais faut faire le tour quoi. Wow. Attends, on va regarder la map là, parce que je crois que je suis mal engagé. Ah ouais, d'accord, là, faut que je descende. Par contre, descendre et pas mourir. Voilà, on essaye de glisser. On va encore descendre, non? Non, peut-être par là. On va essayer, parce que là-bas, c'est la rivière. On va contourner le truc au calme. La petite montagne, là.
Putain, ça devait être relou à l'époque. Oulah, il y a un cerf, un truc de malade mental. Il y a des corps, mon gars. Ah, c'est le dernier Segei. Bûcher. Les bûchers sont de grandes balises qui marquent votre territoire une fois capturés. Éliminez les ennemis proches et allumez ces bûchers pour vous en emparer. Les bûchers capturés deviennent des points de déplacement rapide tout en offrant des lieux de repos sûrs et un accès à votre cache de récompense. Ben, c'est bien. C'est un peu comme, comme les tours dans Far Cry d'habitude. Par contre, là, il faut monter, non? Ouais, je crois. Par contre, c'est gardé par des ennemis, le bail. Donc on va devoir se battre, là. Avec mon bois dur. Il est où, mon bois dur? Vas-y, poteau, je t'attends. Alors, c'est quoi, ça? Eh ouais, mais on l'allume comment? Enflammé. Hey, y a un hibou. Chouette. C'est chouette tout ça, dites-moi. Bûcher de Nakuti, bûcher revendiqué 1 sur 16. Récompense 400 XP. C'est bien ça. Déplacement rapide. Alors, quand vous capturez un bûcher ou un avant-poste ennemi, vous débloquez un nouveau point de déplacement rapide qui vous permet de parcourir le monde plus vite. Ah bah, déplacement rapide, ouais, c'est un peu le concept à la base. Vous pouvez aussi utiliser le déplacement rapide pour retourner à votre village afin de construire ou d'améliorer des huttes. Appuyez sur pavé tactile et sélectionnez le menu carte. Ouais. Utilisez L pour sélectionner un bûcher, un avant-poste ou un village, puis choisissez l'option de déplacement rapide. D'accord. Donc là c'est... Attends. Mais je comprends pas comment on fait pour revenir à... Compétences plus 1 plus 1. Putain, mec, lâche pas l'affaire. Est-ce qu'on met des compétences à elle ou pas, quoi? Révèle plus 50 pieds de terrain dans le menu. Carte dévoile plus d'activités de mission. Hein. Alors, on va peut-être s'équiper nous d'abord. On va se mettre une barre de vie. Non, sprint et guérisseur. Non, on va se mettre... On va d'abord penser à nous, puisqu'on est un peu des... Comment on dit On pense un peu qu'à notre gueule. Tu comprends. Tu vois. Et pourquoi j'ai pas accès à mon... Comment ça s'appelle? Merde, c'était quoi ça? De... Ah, Cèdre du Nord! Voilà, il y avait pas un truc avec Cèdre du Nord, justement. Confection. Sac à viande. Bah ouais, c'était ça. Actuel. Ah, il faut peau de sanglier. Shit. C'était quoi avec... Bah, c'était ça. Sakai. Les deux gars, ils se vénèrent, les potes. Et les gars, ils se vénèrent, là. Et... Alors. Comment on fait pour reprendre l'arc? Alors, on n'a pas le choix, il faut tout le temps faire ça, peut-être. Ah ouais, d'accord, on peut avoir que deux armes présélectionnées. D'accord, bah, c'est bien de comprendre, hein. Ok, moi j'aime bien, c'est ça là, c'est... Non, le gourdin, tu vois. On va sélectionner gourdin, arc. Voilà les potos, on va se laisser ici, nous. Ouais, on a fait quand même le taf. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. En tout cas, ici, dans la description, je vous l'ai pas dit, il y a la playlist. En haut à gauche, au début de la vidéo, vous avez l'épisode 1, et puis bah... Il y aura l'épisode 3 à droite, mais quand il sera sorti. Pour ceux qui regardent quand tout est sorti. Voilà. Ciao tout le monde, comme d'habitude, bon game à tous.